qui ressemble à une vieille station-service. Ah, te v'là. Je suis un putain de génie. Chaque année, le vainqueur du derby est invité à une putain de grosse soirée de dingue. Maintenant que Franck est mort, tu peux prendre sa place dans la course. Et t'as de la chance parce que je t'ai trouvé une super bagnole. T'as trop du bol. Tout ce que t'as à faire, c'est gagner cette connerie. Parce que Mickey et Lou seront à la soirée. Et c'est là que tu les capteras. Vais chercher la bagnole, et puis on se retrouve ici ce soir. Ta caisse. Je l'ai préparée moi-même et remplira la gueule du meilleur éthanol. Les pneus sont gonflés, contrôle technique, ok. Les gens connaissent ta sale tronche, alors pense bien à garder ton masque. Départ de la course à minuit. Tu vas te les faire, ma gueule! Mais tu fous quoi? De gland et toi tant que tu seras habillé en pilote. Je te parlerai dans l'oreillette tout le temps. Alors si tu merdes ou que tu te sens dépassé, tu m'entendras rigoler. Mais ça va le faire. Essayez de repérer les fusées sur la route si vous tombez à court de balles.
champion. T'as gagné ton billet d'entrée pour la fête. Passe devant les gardes du corps. Comme si t'étais chez toi ici. Ce sera rempli de cadors des ravageurs. Rien que des trous du cul. Mais fais bien attention, ils sont putain de très dangereux. Le plan c'est abattre tout le monde. T'en laisse pas un. Ça leur apprendra à se foutre de ma gueule. C'était incroyable. J'avais jamais rien vu de pareil. Vers le bas. Ok, je vais fermer ma gueule. Je te donnerai le feu vert quand l'arme sera en place. Je te connais. La reine du derby. Putain, t'as assuré. C'est du beau boulot. Bien joué. Bah la vache. Eh, franchement, elle me fait un peu penser à moi. Merci à tous d'avoir fait le voyage. Ça fait une trotte pour certains. Mais malgré tout, on doit faire court. Aucun respect, putain. Il s'est passé beaucoup de choses. On a une offre à vous faire. Allez, tu peux venir. Hé, hey, mais ce débile, c'est qui? Voici la solution à tous nos putains de problèmes. Il va nous emmener au nord, nous faire manger une sorte de... C'est quoi, un fruit? Un fruit sacré. Le miracle du nouvel... Ouais, voilà. Notre ami dit que ce fruit va nous rendre super forts. Ce sera à peine croyable. Et si vous y mettez le prix, on est disposé à partager. Mais de quoi est-ce que tu parles, putain? On est déjà les plus forts. Tu l'as dit. C'est du sérieux. Je l'ai vu. Mais tu t'entends? Un fruit sacré, c'est vraiment n'importe quoi. T'as le cerveau qui se ramollit comme ton papa. Quelqu'un d'autre a un commentaire? Je ne vous donnerai le fruit sacré que si vous faites ce que nous avons dit. Réduisez le nouvel Éden en cendres. On fera ce qu'il faut. T'en fais pas, tu peux compter sur nous. Maintenant. Nous... Nous devons agir maintenant. Bon, allez, au boulot. Les gars, on va noyer ce merdier sous une couche de napalm. Un fruit magique qui rend surpuissant? Conneries. Eh ben putain de merde, elles sont déjà parties. Merde, c'est vraiment dingue. Au moins, on peut se débarrasser des autres abrutis. L'arme t'attend derrière les chiottes. Je m'emmerde déjà, si on faisait un truc. Comme tu veux. J'ai payé un associé pour cacher une arme dans des chiottes. C'est la chance de ta vie, camarade. Inspire à fond, et surtout te foire pas. Thank you.
les abattre avant qu'elles comprennent que je t'ai aidé. Et moi, faut que je trouve un endroit où me planquer. Voilà, revoyure, amigo. Je suis avec toi.